retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est rien. Bon, du coup, les gens, et bah du coup, c'est la sauce. Et oui, et bah oui, et bah que oui, c'est la sauce. Génial, c'est la sauce, c'est la grosse sauce en fait. Et bah oui, c'est la grosse sauce. Du coup, comme je le disais, c'est la grosse sauce. Du coup, nous allons devoir partir. Mais on va pas laisser grand chose derrière nous. Hein. On va récupérer beaucoup de quartz. Ah oui, je vais vous montrer pourquoi c'est la grosse sauce. J'arrive. Voilà. Oui, ça commence à se corrompre. Sérieusement. Bon, il y a encore cette partie-là qui est safe. Et mon portail s'est cassé en plus. Non mais sérieux. C'est le seul moyen qu'on aille récupérer nos affaires à notre ancien village. Voilà. Alors ça, c'est une chose de faite. Normalement, ça aurait dit que mon pointipone aurait été cassé. Du coup, mon pointipone est toujours au village. Faut qu'on parte. Normalement, j'aurais pas récupéré la bibliothèque parce que j'ai envie de laisser ça en ruine. Mais là, quand même. Oh non, c'est bon, je vais le laisser. Allez! Non. On va juste récupérer le quartz. On aura besoin beaucoup de quartz pour qu'on soit la MMC Corp. Oh, vous savez quoi? Au lieu de devoir récupérer beaucoup de quartz pour la MMC Corp, on va juste faire un peu comme si c'était en ruine. Voilà, ça sera bien. Voilà, ça c'est stylé. C'est stylé d'avoir une base en ruine, quelque part. Voilà, c'est stylé, c'est même très stylé. C'est même beaucoup trop stylé. Alors nous allons garder cette base en ruine, c'est tout. Rien de plus facile. Bon, vous savez quoi quand même? On va peut-être se mettre en créatif pour récupérer de la... Aïe, aïe. Non. Je hais ma vie! Bon, du coup, j'ai pu revenir en recréant un portail, mais du coup, on est mal. Parce que du coup, je ne peux plus retourner à mon ancienne base. Et ça, c'est pas ouf. Non, vraiment pas du tout. Bon, du coup, on va récupérer précieusement ces derniers bouts de notre base. Parce que je pense qu'on n'en aura plus. Bon, on va récupérer l'oxygène, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh là là, bon. On va récupérer que l'oxygène plus heureuse, hein. Parce que c'est vraiment beaucoup trop énervant à récupérer l'oxygène. Comme ça, ils auront un nombre mettre des portails, par exemple. Ils auront un nombre illimité de portails comme ça. C'est génial. Ah, oh, bah oui, c'est un peu logique. Pourquoi? Pourquoi? Oh, mais... Oh, c'est là que je vais la récupérer. Si seulement j'étais pas mort, comme un débile, parce que j'ai cassé mon lit, qu'on aurait pu revenir à notre ancienne base et pouvoir récupérer ce qui est important. Punaise! Oh, maintenant que j'y pense, il y avait des... C'est très important que j'aurai assez de place. Je pense que je vais mettre ce qui n'est pas.
pas en pot. Je pense que... Ah ouais, quand même. J'avoue, quand même, il y a beaucoup de trucs importants là-dedans. Bon, je vais jeter des trucs, voilà. Ah, ça, c'est pas important du tout, ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Du coup, je vais pouvoir récupérer ça, ça. Ça. Ça, ça. J'ai pas besoin de ces 18 là. Non, non, non. Ça, bah oui. Et rien d'autre. Ah, si. Mon premier trophée. Et voilà. Non, je peux récupérer ce que j'ai besoin. Ça, ça, ça. Bon. Donc, je pense que l'obsidienne pleureuse non plus, j'en ai pas besoin. Trouver à tous les portails abandonnés. Ça sera la ferme à meubles du village. Hein. Bon, celui-là. Ah, il y a... ah bah dis donc. J'avoue, j'ai pas besoin. J'ai récupéré ce qui est important. Nous pouvons partir en quête d'endroit pour construire la MMC Corp. Ce qu'il faudrait, c'est une plaine. Ce qu'il faudrait, c'est une plaine. Mais être... J'avoue, il en faut combien pour un portail d'obsidienne? Il en faut combien? Je pense quand même que je vais en prendre assez pour m'en reconstruire. Hein. Et Zombito, je suis contente d'avoir connu quand même. Alors il faut un d'obsidienne. Il crève pas. Et oui! En fait, je crois comprendre pourquoi que quand on donne. Oh, le jour il est gentil, la nuit il est méchant. En fait, je crois que j'ai compris pourquoi. Regardez, vous voyez ce petit pixel marron qu'il y a sur le front? En fait, c'est parce que vu que son zombie noyé, ça fait comme si le marin, ça faisait méga longtemps qu'il était dans l'eau, qu'à force ses habits se sont désintégrés. Du coup, ce petit point marron, c'est ce qui reste, et les petits points marrons qu'il y a sur la tête, les marrons foncés, hein, comme le t-shirt, le pantalon ou les bottes, et ben, c'est le reste de son casque qui fait, en fait, que je pense que s'il n'avait pas de casque, il n'aurait pas des petits points marrons comme ça. Du coup, je pense qu'en fait, il a bien un casque normalement, puisqu'on voit pas qu'il est en zombie noyé. Alors, il en faut 1, 2, 3, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, alors 10, 14. Il me faut 14 d'obsy. Du coup, moi, j'espère que tu vivras bien ici, Zombito. Je prends 14 d'obsy, du blé et je... Ah oui, mince, j'ai pas assez de place pour l'obsy. Qu'est-ce que je peux jeter pour l'obsy? Cosmine n'est pas important pour la porte.
Là, comme ça sera un peu mieux. Hop là, 2, 3, 4. Ah oui, ça va être 8. 9. 10. Le 10e. Il m'en manque plus que 4. Allez. 11. Je me demande qu'est-ce qu'il entend. Bon, je vais pas vous faire une éclipse pour vous montrer qu'est-ce qu'il entend parce que j'ai beaucoup trop la flemme. Mais je pense que en créant son nom, il doit entendre que je crie en partant. Il doit entendre que je crie son nom en partant. Ça, c'est logique pour moi. Pour moi, c'est pas logique ce que je dis. Mais bon, on trouve un endroit grand là pour passer le portail. Bon, comme je dis, attends, comment je pourrais faire pour passer le portail mais en passant dedans? C'est bizarre. Bon, il faudrait que je trouve un endroit. Je pense que je ferai une salle spéciale dédiée aux lasers dans la BK Corp. Ouais, attends. S'il y a une faille, si je trouve un endroit dans la plaine avec une faille, je m'installe instant à côté. Parce que ça serait clairement parfait pour déjà déterminer. Et en plus, ma base, elle serait parfaite à côté. Bon, là, ils sont un peu grands quand même. Un peu spacieuses. Pour pouvoir avoir assez de place. Pour placer mes affaires. Et tout et tout. Du coup, le portail, il faudrait que ça fasse en hauteur. Deux fois plus la hauteur du portail. Il fait 5 blocs. Il fait 5 blocs, là, le portail. Du coup, je pense. Il fait 5 blocs le portail. Du coup, je pense qu'il faudrait qu'on fasse 10 blocs de hauteur. Moi, je dis que ça serait pas mal. En tout cas, si vous dites dans les commentaires si c'est une bonne idée. Il y a quoi là-bas? On dirait un peuple de zombitos. C'est un peuple de zombitos, c'est incroyable. Ils forment un truc pas naturel. Ce n'est pas naturel. Oui, regarde. Attends. Oui.
Ça n'est pas naturel. C'est plutôt bien d'avoir ça. Si tu fais une base sous-marine, là, ça peut être camouflé. Est-ce que vous... Ah oui. Est-ce que vous me voyez, là? Sérieusement, je suis trop bien caché. Non, mais sérieux. C'est beaucoup trop bien. Soyez honnête. Dites-moi si c'est éclaté. J'avoue, c'est pas ouf. Oh, ça va mettre 4 ans à trouver une plaine là. Bon, les gars, j'avoue, j'étais un peu en train de tricher. J'étais en train d'être en créatif. Wesh. What? Mais c'est quoi tout ça? What? Mais je suis jamais mort ici. Bon, j'avoue, j'étais en train de tricher un peu. J'étais en train de me balader en créatif pour trouver une belle et grande plaine à côté d'une faille. Et j'ai trouvé ce village qui me rappelle mon village, mais qui n'est pas mon village. Parce que moi, je me souviens, j'ai bien mis et tout et tout. Il n'y avait pas de la pierre, hein. Il y avait bien l'obsidienne, bien mis tout et tout. Et il y a mon stuff. Il y a un de mes stuff. Ça peut être personne d'autre que moi, vu que moi, c'est un serveur privé. Enfin, non, ça peut être des potes à moi, mais... Mais quand même, c'est pas ouf. Faut dire à qui ça peut être ce stuff, parce que... Enfin, je crois me souvenir qu'une fois, j'étais mort ici, dans un village, mais je me rappelle pas avoir mis des blocs d'obsidienne sur une maison. Mais punaise, c'est pas logique. Mais du coup, une plaine avec une faille, et j'ai trouvé ça. Ce Nepring normal. Non mais sérieux. Moi je n'accepte pas. Ah non, pas du tout. C'est mort. Ah, pour moi c'est mort de chez mort. Je ne veux pas ça. En baladant, je suis en train de me parler tout seul. Je sais, pour vous ça doit être chelou. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien m'installer une plaine. Et d'un seul coup, j'ai commencé à voir mon village. Je me suis dit, à côté de mon village. Parce que ce n'est pas mon village qu'on a trouvé. C'est pas normal. J'ai peur. À l'aide. Bon, on va s'installer là. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je peux vous dire? J'avoue, c'est pas ultra important ça, non. Ah, du coup, on va prendre des briques. Mais pas comme ça, on va prendre des briques de quartz. Voilà, briques de quartz. On va commencer par essayer de faire un petit cercle. Un cercle, c'est pas mal. Tic, tic, tic. Il faudrait vraiment que ça fasse cercle. Ça fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Voilà. En cercle parfait. Bon, je pense que ça serait pas mal de faire
un dernier petit truc comme ça. En tant qu'expert en rond, je pense que ça serait bien. 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 En tout cas, je pense que vous pourrez m'appeler pour que je vous fasse des cercles. Non, c'est totalement faux parce que vous n'avez pas mon numéro. Pas oui. Bon, en même temps, c'est logique. Si vous aviez mon numéro, j'aurais quelques appels tous les jours. Bon, même si je suis pas très connue, j'aurais quelques appels tous les jours. Par exemple, je n'ai pas, mais tu regardes mes vidéos. Voilà. Mon cercle n'est pas refait. Bon, c'est bien grand par contre. Bon bah génial parce que en ce moment là j'ai pas de chance en Minecraft. À 2 mm de moi, il y a un zombie avec bon, il a pas d'armes, mais avec un plâton et un casque en or. Ah bah là ça veut signer mon arrêt de mort hein. Je dis ça veut signer mon arrêt de mort. Je pense qu'on va faire un style d'ascenseur, je sais pas comment, mais on va essayer. Oh. Si seulement j'étais pas nulle en redstone. Enfin, je peux regarder des tutos, mais ça met 4 heures. Je mets 4 heures à comprendre les tutos de redstone. Du coup, je pense que je mettrai beaucoup de temps à faire un ascenseur redstone. Le tuto, je vais le regarder. Il va marcher genre seulement pour monter. Et après, il se pète parce qu'un piston s'est fait pousser par un autre piston. Je suis sûre à 2000% que ça va arriver. À 2000%, il va arriver ça. Oh, je viens de voir que là-bas il y a rien. Source de lave. Attendez, on va aller vérifier ça. Oui, c'est bien le cas. Ah oui, dans pas longtemps, je vais faire des vidéos Fortnite. Oui, je pense que ça va vous faire plaisir. Oui, clairement, ça va vous faire plaisir, je pense. Clairement, il y a des très grandes chances que ça vous fasse plaisir. Bon. Du coup, on termine de faire le sol. Et je pense que ça sera bien pour cet épisode. Bon. Je pense que je vais juste faire une couche de hauteur. Juste une petite hauteur en plus. Et voilà, ça sera bien. Non, mais je vais mettre 4 ans en fait à faire une hauteur bien. Bon, je pense que je vais faire la hauteur jusqu'à la hauteur maximale. Hein. Je vais faire jusqu'à la hauteur maximale, je le dis tout de suite. Mais. Ça va être long. C'est bon, je vais faire un mur. Ça va, c'est pas long de faire juste un mur. 3, 2, 1, c'est parti. Wouhou! Ça va être long. Le pire, c'est que je suis en montagne. Quand je suis déjà un peu haut, ça va quand même être très long. Je suis à peine au-dessus des nuages. Je fais la couche de sang.
de descendre. Nickel. Alors du coup, nous allons nous arrêter là. High five.